Ferrari dément la rumeur persistante d'une nouvelle signature dans l'écurie de F1. Alors, est-ce qu'il parle de Joe? Parce que j'ai entendu dire que Joe pourrait être pilote de réserve pour l'équipe. Ouais, c'est ça. Putain. Oh non, pas lui, hein. Imaginez, non, mais juste. Imaginez juste un instant si Leclerc ou Hamilton l'année prochaine sont malades et ratent une course. C'est lui qui va remplacer un des deux dans la Ferrari. Allô? Non, mais attendez. De nombreux médias ont rapporté cette information. Comme d'habitude, le site web a contacté Ferrari pour savoir si cette histoire était vraie. L'équipe a démenti cette rumeur. Après, en vrai, s'ils démentent la rumeur, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est fausse. Hein. Arthur Leclerc, le frère cadet de Charles, est actuellement le soi-disant pilote de développement de Ferrari, mais il n'est pas mentionné dans les couloirs comme un possible pilote de réserve pour l'équipe. Joe ne part donc pas chez Ferrari, et on ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Le Chinois a exprimé son intérêt pour un rôle de réserviste, à condition qu'il y ait une perspective de retrouver une place en 2026. Pff, mais tu rêves! Tu crois vraiment que tu auras une place à nouveau, Joe? T'es fou, quoi. En vrai, faut pas enterrer cette rumeur. Je pense que c'est pas impossible avec les sponsors et tout de Joe qui pourrait payer une partie du salaire à mirobolant d'Hamilton. Moi, je dirais que c'est pas 100% impossible. Hein, qu'il signe en tant que pilote de réserve. Il a de l'expérience en Formule 1, alors il est mauvais, mais il est quand même. Ça fait quelques saisons qu'il est là, donc il sait conduire une F1, même si c'est assez lentement. Donc, attention, ne pas enterrer trop vite cette rumeur. Mais ce serait évidemment bizarre de voir Joe chez Ferrari, surtout s'il devient titulaire une course. Oh, le délire total, quoi. Bon, bref, vous en pensez quoi?